Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant le lycée professionnel Fernand Léger. Exceptionnellement cette année, le lycée a décidé d'organiser un concours entre les filières. Dans le cadre de notre émission, nous allons suivre enseignants et élèves afin de vérifier si la voie professionnelle est vraiment porteuse d'avenir. Fernand Léger en cette nouvelle année. Je compte véritablement sur vous, sur votre travail, votre investissement tout au long de l'année pour réussir. Et surtout, nos enseignants nous ont fait part qu'ils avaient la volonté de créer un concours dans lequel chaque filière, que ce soit commerce, usinage, électricité, système numérique, vont pouvoir créer une œuvre qui représentera la filière. Eh bien, ce concours sera l'occasion pour nous de voir si les élèves de lycée professionnels ont le niveau. Merci à tous et surtout, je vous souhaite une bonne entrée. Bonne année. Merci. Merci. Il y a une salle de boxe ici. Oui, mais seulement pour les internes. Et je peux en faire? On peut se retrouver à l'internat. Oh, merci, mec. Ma foi, le matériel fourni ici a l'air de bonne facture, à l'image de cette machine, semblant très réelle. Ainsi que celle-ci. On voit qu'il cherche à réaliser des situations dans la vie courante de tous les jours, mais encore faut-il savoir s'en servir. Bonjour mademoiselle, n'êtes-vous pas un peu déçue d'avoir peu de filles dans votre classe? Non, au contraire, nous sommes beaucoup et ce n'est pas qu'un secteur de mecs. Mais vous êtes sûre que vos mains pourront utiliser ces machines? Laissez-nous tranquilles! Laissez-moi travailler avec mes élèves! Sortez de mon atelier! Salut. Salut mec, moi c'est Rémi et je suis chaud pour frapper, on peut y aller? Enchanté, moi c'est Adrien. Ah ouais, merci. Vas-y, bah, on y va. Alors, cette première journée de cours? Mieux que je croyais. Et toi? J'avoue, c'était un peu complexe, mais j'ai quand même tout compris. Pourquoi tu précises ça? Parce que... J'ai jamais été plus malin en cours. Comment ça? Ben, au collège, c'était un peu difficile. Je pense que tu veux mieux que ça. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, nous sommes en classe de maintenance. À ma surprise, les élèves sont calmes et silencieux. Le professeur va poser une question. Voyons ce qu'il va dire. Quel élément dans ce verre soit le plus souvent défaillant? Oui, Ami. Un joint? Tout à fait, c'est très bien. Non. Coupe, 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 coupe. Alors, il est venu te voir? Ouais.
Tu verras, on va lui montrer ce qu'on vaut. Et là maintenant, ça va gagner. Tu me fais rire. Tu ne gagneras pas ce concours. Non. Il y a le journaliste là-bas. C'est ridicule. Regarde-le à faire le pitre. Bon, on va vraiment lui montrer ce qu'on vaut réellement. Il y en a là-dedans. Cela fait déjà bientôt un trimestre que les élèves du lycée Fernand Léger sont occupés à créer les œuvres pour le concours. Mais allons voir s'ils savent répondre à de simples questions. Vous êtes tous les deux élèves au lycée Fernand Léger. Comment se passent vos études ? Bah, très bien, je suis très content et nous avons la chance d'avoir un groupe d'élèves qui est toujours là au cas où si moi j'ai un problème et si moi j'ai la capacité d'aider les autres, bah, je vais le faire. Et vous alors, comment se passent vos études ? Tout se passe bien, on est en train de préparer le bac, on est en plein bac, on fait la pièce. Donc la pièce est celle-ci, donc on travaille par binôme. Pour la pièce, on travaille par binôme et on a chaque binôme a une pièce. Bon, et vous alors, vous faites quoi ? Personnellement, je suis sur un lecteur RFID, donc c'est comme un détecteur de badge, de télécommande. Et comment ça se passe dans cette filière ? Ça se passe plutôt bien, on fait plutôt beaucoup de TP qui tournent, c'est très dynamique en fait, donc c'est pas mal. Bon, et vous deux alors, vous attendez quoi ici ? On n'attend pas beaucoup étant donné qu'on fait de l'usinage et que c'est une matière qui est ma foi plutôt intéressante. On travaille généralement par informatique. Et nos outils informatiques sont généralement faits pour de la programmation de pièces, ce qui fait qu'on peut passer d'un brut à une pièce finie. Ces pièces finies pouvant servir relativement à tout et n'importe quoi. Alors, ça bosse ? Ouais, t'inquiète, on va gagner. Bosse dur ? Ouais. Eh bien, c'est officiellement la fin d'année et on peut dire que les élèves ont tout mis en œuvre pour réaliser leur projet. Allons voir si les élèves ont tenu le pari de m'impressionner. Bonjour. 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 Donc, elle est belle notre machine, hein ? Ah oui, la machine ! Ouais, c'est vrai, oui. Oui. Oh, un beau jouet ! Non, ce n'est pas un jouet, c'est un bras robotisé électronique. Ah, bon, d'accord, oui. Ah, un beau bateau que vous avez là. Oh non, c'est une pièce qu'on a conçue nous-mêmes en chaudronnerie. Ah d'accord, oui, d'accord, bon. Ah bonjour monsieur. Ah bonjour. Bonjour. Waouh. On voit que votre professeur a bien travaillé. Ah non, c'est nous qui avons tout fait. Ah, Oh, je suis incapable de faire ça.